Ebuka, où étais-tu? Je t'ai cherché, mais tu n'étais pas là. Pourquoi es-tu triste? Dis-moi. Les éléments d'Igo m'avaient enlevé hier. Il m'a dit de m'éloigner de toi si je voulais vivre. Quoi? Alors, je suis confus. C'est ton maître méchant, hein? Je te dis... Il n'est pas bien. Crois-moi, il ne va rien nous faire. Il ne pourra pas nous faire quelque chose. Tioma. Hein? Quel genre de confiance as-tu? Il est question de notre ego. Il ne pourra rien nous faire. Je t'aime, Ebuka. Bien sûr, je t'aime aussi. Et personne ne peut nous séparer, ok? D'accord, chérie. J'étais tellement inquiet. Même Igor ne peut pas rompre notre personne. Relation. Personne. Ok. Je t'aime à la fois. Je t'aime aussi. Joseph, j'ai besoin de ton aide. Igwe veut tuer ma mère, s'il te plaît, aide-moi, je t'en prie. Hé, hey, où est-elle? Va au village Mbako, demande un abaliste femme qui est là-bas. On va t'indiquer chez elle. Hein? Ok, mon frère, allons-y, allons-y. Mais où est-ce qu'on allons-y, allons-y, allons-y. Viens, 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 viens avec moi. Salut, maman. Qui êtes-vous? Nous sommes ici pour l'emmener avec nous. Sa fille nous a demandé de l'emmener ici. Écoutez, madame, cet endroit n'est pas du tout sécurisé. C'est dangereux qu'elle soit ici. On doit l'emmener ici. Vous n'allez pas la reprendre. Est-ce que je ne vous connais pas? Elle a été amenée ici par sa sœur. Madame, arrêtez-moi un peu avec ce soir parce que moi je commence à l'avoir marre. C'est quoi?
Et pourtant, c'est très simple à comprendre. Madame, sa vie est en danger. Et au moment où je vous parle là, il y a des gens qui se dirigent vers ici pour la tuer. Nous devons l'amener tout de suite. Et même vous, parce que vous êtes en danger aussi. Non, je ne vais aller nulle part. Je n'irai nulle part. Mon frère, allons, allons. On vous parle. Viens, je vous comprends. Aide-moi à la soulever. Venez, hein, venez. Il y a du sérieux problème. Laissez-la, non. Je dis, il y a du sérieux problème. Laissez-la, elle est amenée. Vous ne nous connaissez pas. Parce que je ne vous connais pas. Vous devez. Qu'est-ce que vous faites? Allez, n'importe quoi. Où est-ce que vous allez avec elle? Madame. Je ne vous connais pas. Vous êtes même... Votre vie est en danger aussi. Qu'est-ce que je dirai à sa sœur? Allons-y. Ah, Timo, Timo. Mais c'est compliqué. Oh, mon Dieu. Mais c'est quoi cette histoire? Bonsoir madame. Bon après-midi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous cherchons Ezine, la femme que tu es en train de traiter. Elle n'est plus avec moi. Les gens sont venus la prendre ici. Quelques hommes l'ont appelée. Oui. Tu n'es pas sérieuse. Elle est où? Elle n'est pas où ici. Où est-elle? Elle n'est pas ici. Vas-y, versez l'intérieur. Tu nous diras là où elle est. Je ne sais pas. Il n'y a personne ici. Je ne sais rien. D'accord, va là-bas. Tue cette femme! N'importe quoi. Allons-y. Oh non. Igwe. La seule solution, c'est l'annihilation totale. Bien sûr. Parce que si tu ne le fais pas, ils te feront tomber. Tu as raison. Tu n'as pas tort. Qu'est-ce qui retarde Scorpion et son équipe? Igwe, Scorpion, comment est-ce que ça s'est passé? Igwe, nous ne l'avons pas vu. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous ne l'avez pas vu? Igwe, nous étions allés chez la femme qui l'a traitée. Nous avons fouillé partout et nous ne l'avons pas vu. Quand nous avons mis la pression sur la femme, elle a dit que sa famille était venue l'emmener. Hein? Alors nous avons décidé de tuer la femme. Ça va. Il aurait emmené la femme quelque part loin de nous. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui soit caché sous le soleil. Nous devons la chercher. Nous devons trouver là où elle est. Ouais, Igwe. Oh non. Qu'est-ce que tu penses? Igwe, tu as raison. Scorpion, où qu'elle soit, vous devez la repêcher. Igwe, il y a du feu sur la montagne. Tu as raison. Aguano kanakrikao. Tu as raison, Ono. Tu as raison. On doit vite agir. Mega nondachi. Mbochoaga. Kako ngoriam. Ichie Maruka. Ouais. Ouais, Ichie Nduma. Je l'ai informé, mais je ne le vois pas. Hein? Igwe, que se passe-t-il? Je vous ai invité pour vous dire et vous informer de la mauvaise situation dans notre communauté. Ezine, la femme de mon frère, est morte. Hein? Mais son corps est introuvable. Hey! Comment est-il possible? Quelqu'un est mort et son cadavre a disparu? Manuka, la question que tu viens de poser est la même question que je me pose moi aussi.
et je n'ai pas eu la réponse à la question. Aïe, cette innocente femme. Ceci est une abomination. Oh Aaron, nos bodagna. Qu'allons-nous faire maintenant, Igwe? J'ai envoyé quelques éléments pour chercher son cadavre et en même temps, j'ai aussi informé la police. Je ferai de mon mieux pour gérer la situation et vous tenir informé. Ça c'est bien. Ok. Igwe, je sais ce que tu peux faire. Oui, ça, on je verra te ce que confiance. Ça fait donner. On verra ce que ça va donner. Ça, c'est clair. Ça va. Je promets que je ferai de mon mieux. Salut votre majesté. Gloria, j'ai envoyé t'appeler hier nuit, mais pourquoi tu n'étais pas venue? J'étais malade, votre majesté. Ah, tu étais malade? Oui, votre majesté. Oh, je suis très désolé. As-tu pris quelques médicaments? Oui, votre majesté. Écoute, tu viens dans ma chambre maintenant afin qu'on puisse le faire. Est-ce que c'est clair? D'accord, votre majesté. Je le fais. Donc, tu viens maintenant? Je viendrai, votre majesté. C'est bien. Pourquoi Gloria se prend pour une reine dans ses palais? Pendant qu'elle n'est qu'une servante ordinaire comme nous. Donc tu penses qu'elle peut être comme nous? Comment peux-tu croire à une fille qui couche avec le roi? C'est pas vrai. Je suis sérieuse. Comment peut-elle être légère? Dieu seul sait de quoi vous êtes en train de parler. Les oiseaux de même plumage. Vous ne pouvez pas trouver ni à faire, sorcière. Peux-tu imaginer? Elle est disgraciée pour avoir couché avec un vieil homme. Je crois que ça ne me concerne pas. Alors, allons-y. Tu veux mourir? Reviens ici. Et stop. Entre là-dedans. Arrête de bouger. Arrête. Tais-toi. Tais-toi, je dis, espèce de fou malade. Écoute, mon gars. Tous ceux-là que j'ai eu à kidnapper avant toi étaient bien plus courageux que toi. Tu perds beaucoup, hein? Libérez-moi, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Igwe, votre majesté. Merci. Ebuka, votre majesté, je t'ai demandé de t'éloigner de cette fille Choma. Igwe, que se passe-t-il ici? Usaoji. Oui? C'est le garçon amoureux, Ebuka. Tu veux dire que c'est lui qui pêche dans la mer profonde? C'est exactement ce que j'ai vu. Pauvreté. Comme je le disais, je t'ai dit de t'éloigner de Choma. Mais tu as simplement choisi de me désobéir et continuer à la romancer. Igwe, j'aime tellement Choma. Je l'aime beaucoup. Je ne peux pas m'éloigner d'elle. Je ne peux pas. Tu aimes Choma. Et tu as désobéi à mon instruction. Je vois que tu es vraiment un fou. Ouais, tu es un fou. Pas de problème, continue à l'aimer. Ne va nulle part. Mais je te donne le dernier avertissement. La prochaine fois que je te vois encore autour d'elle, je t'apprendrai la leçon de ta vie. Igwe, je ne peux pas laisser Choma. Je ne peux pas et je ne vais pas la laisser. Et toi, ferme-la, idiot. J'aime tellement Choma. Tu aimes tellement Choma. Ok, c'est mieux que tu continues ton amour avec elle dans l'au-delà. J'aime Choma. Elle est la seule fille que j'aime. Si vous voulez me tuer, pas de problème. N'importe quoi.
Mon roi veut te voir maintenant. Dites à votre roi que je ne viendrai pas avec vous. Quoi? Tu dis que tu n'iras pas voir notre roi? Non, Laissez-moi. Ouvre le portail! Laissez-moi! Vite! Hé mec, ouvre le portail! Tu vas le regretter, hein, ça! Laissez-moi! Ouvre le portail, mec, pas de temps à perdre! Laissez-moi tranquille! Laissez-moi partir! Avance! Tu cherches vraiment des problèmes, hein, toi! Avance! Allez, avance, vite! Laissez-moi! Avance si tu ne veux pas avoir des problèmes plus que tu en as déjà! Avance! Avance! Laissez-moi! Avance! Avance! Vite, avance! Laissez-moi! Allez, avance, vite, vite. Avance, allez, descends là. Votre Majesté. Votre Majesté. Qu'est-ce que tu fais? Arrête d'essayer de lutter. Je ne vais pas te faire de mal. Ok? Igwe. Je ne peux pas t'épouser et je ne peux jamais t'épouser. Laisse-moi tranquille. Donc, tu n'as pas encore décidé? J'ai déjà décidé et la réponse est non. Je ne peux pas t'épouser. Scorpion, Votre Majesté, tu sais ce qu'il faut faire. Hé, hey, toi! Allez, lève-toi! Par ici! Lève-toi vite, ton avant! Lève-toi! Lève-toi! Dépêche! Allez! Laissez-moi, vite. Je refuse! Regarde-toi! Hey, Froggy! Kawamaga Zaba Jeremiah, né Jegari. Okama Nam Zabara Abraham, Kobirem Nam Kenke. Chekobiregen Kenke. Stupide! Votre Majesté. Ouais, qu'y a-t-il? Igwe, Qu'y a-t-il? Mon roi, nous étions à la ferme. Aujourd'hui, deux hommes nous ont attaqués. Ils sont même venus avec des hommes dangereux. Ils nous ont chassés, nous deux, de la ferme. Et ils nous ont demandé de ne plus jamais revenir là-bas. Comment dites-vous ça? Comment dites-vous que deux hommes, deux garçons, petits garçons, on peut vous chasser, vous deux, du terrain. Votre Majesté, ils nous ont pris par surprise. Oui, mon roi. Allez m'appeler Scorpion, immédiatement. D'accord, votre Majesté. N'importe quoi. Igwe. Votre Majesté. Scorpion. Igwe, Jasper. Igwe. Dragon. Igwe. Vous irez, vous trois, à Oba, tout de suite. Allez dans la maison de Joseph, à Oba, et tuez tout être vivant là-bas. C'est clair? Fais-le vite. Bougez immédiatement. Où est-ce que tu vas comme ça, hein?
Où est ton fils? Dommage que je n'ai pas pu voir le sang. Ça pour te dire que Igwe Mpume n'est pas un roi avec qui on s'amuse. Fuyez partout. Allez, bougez. Partons. Saisis-toi, vas-y doucement. Tu dois être fort. Tu dois être fort pour tes sœurs, ton père et pour moi. Ok? S'il te plaît, sois un homme. Je sais comment c'est pénible de perdre une mère. Je l'ai expérimenté moi aussi, il y a 3 ans passés. Tu connais l'histoire. Remonte ta morale, s'il te plaît. Sois fort. Je partage ta peine. On est ensemble. Chérie. Ça va. Oko titi na pung poromini. Je suis le roi Mpume, hein, le puissant roi qui décide de faire ce qu'il veut. Allez, allonge-toi. Choma, ma belle fille, es-tu maintenant prête à m'épouser? Ou bien tu veux que je fasse usage de force? Je ne vais pas épouser une autre personne excepté Ebuka. Mais Ebuka est parti. Il est parti. Il n'est plus. Qu'est-ce que tu as fait à mon Ebuka, toi méchant homme? Espèce de méchant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Ou tu l'as tué? L'as-tu tué comme tu l'as fait à ton frère et sa fille? Tu crois que je ne le sais pas? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu crois que je ne le sais pas? Réponds-moi! Je dis, réponds-moi maintenant! Qui t'a dit ça? Réponds-moi! Va dans le monde des morts et épouse Ebuka.
Idiote. Garde, enlevez-la d'ici, enterrez-la quelque part. Allons-y. Enlevez ce corps. Frère, on veut te parler. Pas en ce moment. J'ai beaucoup qui se passe ici et je dois décharger un peu ma tête, s'il vous plaît. Grand frère, c'est très important. Tu dois nous écouter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, non parler? Qu'est-ce que c'est? Grand frère, depuis que ton fantôme est venu à la maison, tout a changé dans notre vie. On a perdu notre mère juste à cause. Allez, tu la fermes! Allez, dégagez! Regardez-moi ça. Je pensais que tu as quelque chose de raisonnable à dire. Dégage! Attends, ne reviens plus ici, hein? De n'importe quoi. Kiro, ma sœur. Je ne comprends plus rien de tout ce qui se passe dans ce palais. Moi aussi, yo. C'est tous les jours que Ego tue les gens dans ce palais. Il tue les gens comme des poules. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Cette façon-là de tuer les gens tous les jours, ça m'étonne aussi, yo. Aujourd'hui, il tue quelqu'un. Demain encore. Le commérage ne vous fatigue donc pas? Uju, la princesse a besoin de toi dans sa chambre. Bon, à plus tard, hein. D'accord, c'est bon. D'accord. Bye. Faut pas sortir du contexte, hein. Qui est sorti du contexte? Personne n'est sorti du contexte. Personne n'est sorti du contexte. Eh bien, viens. Ce mot ne cessera de nous étonner. Qu'est-ce qu'il y a? Sais-tu qu'il y a une rumeur qui circule que le roi a une main mise dans la mort de son frère? Contrôle ta langue, hein. Contrôle ta langue. Écoute. Je ne peux jamais être d'accord avec ça. Notre Igwe dépasse ce genre de bêtises. Hein? Où est-ce que tu as pris ce genre de rumeur? Écoute, Igwe ne peut pas faire une chose pareille. Et tu es en train de douter? La rumeur circule de plus en plus dans cette communauté. Et moi, je dis que le Igwe y est impliqué. Ichiokeke, notre Igwe dépasse ce genre de bêtises. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Mets ça dans ta tête que je ne suis pas d'accord avec toi. À mon propre point de vue et à ce que je pense, le Igwe est impliqué dans la mort du chief Okafor et même celle de sa fille. Ichiokeke, mets ça quelque part dans ta tête que cette journée n'a jamais existé entre toi et moi. On n'a jamais eu une telle discussion. Tu m'as compris? Je ne sais pas d'où tu sors cette histoire. Bien. Attends, non, mais attends-moi. Tu veux me causer de problème? Igwe. Oh non. Il y a une rumeur qui circule dans ce royaume. Que tu es responsable de la mort de ton frère Okafor et de sa fille. Qui est-ce qui dit une telle chose de moi? Qui est-ce qui défie le roi? Igwe, je ne connais pas exactement les gens derrière cette rumeur. Mais je sais que certains des aînés sont ces gens qui répandent cette nouvelle de chantage contre toi. Oui, certains des aînés. Attends, les anciens. Oui, bien sûr, oui, Igwe. Tu veux dire que c'est les anciens qui disent ça? Oh non, donc les anciens ont le culot de dire une telle chose contre le roi, Igwe Nkoumé. Moi, Igwe Nkoumé, mes anciens circulent ces fausses nouvelles. Vraiment? Oh non, va leur dire que le roi Ezen Koumé ne tolère pas les bêtises.
Quand il décide quelque chose, il l'exécute. Je suis le roi. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a personne dans ce monde qui défie Ezenkoumé. Ezenkoumé, l'indestructible. Mon pouvoir est connu partout. Je t'ai entendu. N'importe quoi. Mais il est où Oujoud, non? Jeune homme, je veux que tu ailles m'acheter quelques cigarettes, mais ce n'est pas ça le problème maintenant. Tu sais quoi? Attendons Chief d'abord. Bien que nous l'attendions, ça fait 30 minutes déjà. Mais jusque-là, Chief n'est pas encore là. Hein? Il n'est pas encore venu. Es-tu vraiment sûr qu'il va nous apporter notre argent? Je travaille avec Chief, ça fait 6 ans déjà. Écoute, si Chief nous déçoit, je lui ferai savoir que Tom et Jerry, c'est un dessin animé pour les enfants, mais pour les adultes, c'est autre chose. Kodo. Chief. Chief. Je suis venu avec une autre proposition. Je suis désolé à propos de la dernière fois. Mais cette fois-ci, je vais vous payer 100%. Chief. Bien, puis-je voir la proposition, c'est-à-dire l'information? Vraiment, je confirme, mon gars. À deux lettres. Ah, là. Chief, vous êtes un peu plus tard. Vous êtes un Non. Je vous ai appelé ici parce que j'ai appris que quelques-uns disent que moi, le roi, j'ai tué mon frère Okafor et sa fille. Et je veux savoir qui est en train de faire circuler cette mauvaise nouvelle. J'attends votre réponse. Inoda Dogbe, répondez à la question posée. Qui dit cela? Ou bien vous n'avez pas entendu la question posée? Parlez et dites-nous le commérage que vous faites parmi vous. Oui, dites ça maintenant. Maintenant écoutez, je vous donne 2 jours de marché. Je répète, 2 jours de marché de venir et me dire celui qui est en train de faire circuler cette mauvaise nouvelle que j'ai tué mon frère Okafor et sa fille. Est-ce que je me suis fait comprendre? Igwe, je pense que 2 semaines sont trop longues. Réduis ça à 1 semaine. Ah, ah. 2 jours de marché. 2 jours de marché. Mais non, Igwe. 2 jours de marché. Nda série. Y a-t-il quelqu'un ici? Oui. Un instant. Merci, okay. Wada. Bonjour, ma fille. Où est ton père alors? Il est dans la maison. Aide-moi à l'appeler. D'accord, hein. Nayokeke. Papa? 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 Hey. Ah, ah. Ok. Oh, mon cher frère. Ah, oui. Nda. Ah, Kamine Koué, je te salue, Ike Manduka. Ok. Je suis là. Je pensais que tu es déjà parti. Je me suis souvenu de quelque chose. Je devais rentrer. S'il te plaît, il s'agit de ça. Tu sais que tu es mon bon ami. Il y a de cela très longtemps. Je suis venu te dire, s'il te plaît, par rapport à ce que je t'avais dit la fois passée, ne dis pas au Igwe que j'avais dit ça. Tu sais comment notre Igwe se comporte. Il prend les choses très au sérieux et je ne veux pas mourir. Si tu lui dis, cela veut dire que je suis mort, s'il te plaît. Ne lui dis pas. C'est ce qui te dérange? Je ne veux pas dire ça, Igwe. Mais tu te rappelles, je t'ai averti ce jour de fermer ta bouche. Mais tu ne m'as pas entendu. Je sais. Tu sais, j'ai juste dit ce que j'ai appris au. Tu comprends? Mais notre Igwe ne va pas comprendre. Écoute mon frère, tu vois, j'ai toute une famille dont je dois m'occuper. Et si je meurs, je ne peux pas les abandonner maintenant parce qu'il n'y a personne pour les aider. S'il te plaît, c'est pourquoi je te supplie, ne ça lui va. Dis pas ça. En tout cas, Ichi Okeke, je ne vais pas dire ça à Igwe.
Tu te rappelles, ce jour, j'ai dit qu'on n'a pas discuté de ce sujet. Alors, comment attends-tu de moi de dire ce qu'on n'a pas discuté? Je ne vais merci, pas lui dire. Merci, mon bon ami. C'est pourquoi je t'aime. Merci. Laisse-moi m'en aller maintenant, ok? Sinon, si merci c'est à cause beaucoup, de ça, va te mon reposer. Cher frère. Ne t'inquiète merci même beaucoup. Pas. Oh, mon ami. Oh. Papa, depuis le matin, tu refuses de manger. Qu'est-ce qui te dérange? Tu sais que c'est pas bien pour ta santé. Je vais bien, ma princesse. Je vais bien. Papa, est-ce à cause du rumeur qui circule partout dans le village? C'est pour ça que tu es dans cet état? Je sais, papa, que tu ne peux pas faire ce genre de choses. Merci de croire ton père le roi. Tout ira bien. Et je suis fier de toi. Ok, papa. Fais-moi plaisir. Mange. Et arrête s'il te plaît de trop penser. Peux-tu le faire? Je mangerai. D'accord. Le repas est déjà servi. On peut y aller? Allons-y, ma princesse. Mes anciens. Igwe. Asseyez-vous. Hmm? Hmm? Asseyez-vous. Igwe. Où allons-nous nous asseoir tous? Pas de chaise. Igwe. Tu sais très bien que dans cette communauté, c'est inapproprié pour des hommes de titre comme nous de s'asseoir par terre. C'est inapproprié. Peux-tu fermer ta bouche? Qu'est-ce qui est inapproprié là? As-tu perdu la tête? Comment peux-tu mettre en question l'ordre de Igwe? Hein? Vous devez vous asseoir par terre. Sinon... Scorpion, votre majesté, fais-les s'asseoir par terre. Par terre. Scorpion. Garde, au travail. S'asseoir. Pouvez-vous imaginer? Hey, hey. Des gens qui n'ont pas de sens. Hey, hey. Hey. Êtes-vous maintenant prêt à me dire celui qui est en train de faire circuler les rumeurs que c'est moi qui ai tué mon frère Okafo et sa fille? Je suis en train de perdre ma patience. Si vous ne voulez pas me dire celui qui est en train de faire circuler cette mauvaise nouvelle à toute la communauté, je vous tuerai et boirai votre sang. Et personne n'a la démérité de questionner mes actions. Igwe Mboube, Igwe Mboube, Igwe Mboube. Êtes-vous prêt à parler ou pas? Vous allez rester en prison puisque vous avez refusé de dire la vérité. Vous allez demeurer en prison et je commencerai à vous tuer un après l'autre. Ouais. Scorpion, votre majesté, emmenez-les. Occupez-vous d'eux. Secouez-les. Allez, tout le monde debout. Allez, vite. On sort, vite. Par là, vite. Emmenez-les. En avant, vite. Wow. Je suis Gwen Koumé. Personne ne joue avec moi et demeure libre. Je suis Gwen Koumé. Je décide du sort de tous mes sujets. Igwe Nkoumé. Ouais. Igwe Nkoumé. Personne ne me défie et demeure libre. N'importe quoi.
si ce n'est pas eux, d'où sort cette rumeur qui se propage dans la communauté? Je suis Igwe Nkoumé. Personne ne joue avec personne moi. Personne ne peut oser ça. Est-ce que je me suis fait comprendre? Je suis d'accord. Vieux fou que vous êtes, êtes-vous maintenant prêt à parler? Êtes-vous prêt à parler maintenant? Qui parmi vous est en train de faire circuler les rumeurs contre notre Igwe? Parlez! S'il vous plaît, je ne sais rien. Je jure, je ne sais rien. Oh. Oui, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne sais rien, je jure. Je jure. Tu le sauras. Striker! Dragon! Montrez-le à quel point nous sommes sérieux. Au compte de 3. 1. 2. Hey! Attendez! Attendez. Ah, êtes-vous maintenant prêt à parler? Êtes-vous prêt à parler maintenant? Ok, Bologou. Hein? Onya. Hein? Hey, désolé. Hey, non. C'est lui. Oh, donc c'est toi. Gare, emmenez-les. Hey! Levez-vous. Allez! Debout! Vite, par là. Bon après-midi. Qui es-tu? Je suis Neka. Je cherche mon père. Et c'est qui ton père? Mazindouke. Mazindouke n'est pas ici. Es-tu sûr? Je t'ai dit qu'il n'est pas là et tu me demandes si je suis sûr. Mais il m'avait dit qu'il venait au palais, non? Je viens de te dire qu'il n'est pas là. Tu dois rentrer. Juste, va-t'en. Dégage, vite! Dégage. Pars, non? Oh. Par terre! Allez, assieds-toi, imbécile. Igwe. Est-ce qu'ils ont finalement parlé? Ouais, Igwe. C'était Ichioke qui partageait la nouvelle aux autres anciens. Ichioke, toi que tout le monde respecte. Il est mort, mon titi Gamaka. Tu regardes pas Igwe Nkoumé. Moi, je suis Nkoumé. Et tu me vois un nier. Au coup, tu n'es pas le chien. Ni n'en a pas fouza. Afrozonique. Non, pour un, comment non, n'est-ce ouais, ceci sert d'exemple à tout le monde. Et pour vous, les autres anciens, quiconque fait du commérage avec le nom du roi aura définitivement comme celui-ci la même punition. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, votre majesté. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, votre majesté. N'importe quoi. Scorpion. Ichi. Nettoie les dégâts.
rester ici. Vite! C'est moi qu'on trimballe comme ça. Ichi et Madoka. On verra bien. Papa? Papa? D'où est-ce que tu viens? On t'a cherché depuis hier. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, papa? Noma. Papa? Noma. Il y a du feu sur la montagne. Noma. Pourrais-tu imaginer que Igwe a enfermé tous les membres de son cabinet dans sa cellule, y compris moi, Madoka. Pourquoi, papa? Qu'est-ce que vous avez fait? Noma, Okwaseka n'en sait rien. Juste un petit commérage. Du fait que Igwe a tué son frère et sa fille. C'est fini. Igwe a dit que c'est tous les membres du cabinet qui ont répandu cette information. En fait, c'était Okeke. Noma, sais-tu que Igwe a abattu Iti Okeke, en direct devant moi, Zizinanon Debe. Papa, tu veux dire que le roi a tué Iti Okeke? Il est mort en ce moment. Pourquoi, papa? Mais qu'est-ce que c'est innocent? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas de tout ce que je t'ai dit? Pourquoi il l'a tué? Tu la fermes. Ta bouche, elle va te tuer. Vas-y, vas-y. Allez, rentre à la maison. Vas-y, vas-y. Je ne veux plus t'attendre parler. Tu as écouté? Ne viens plus me créer de problèmes ici. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas, non? Hein? Tu sais, Igwe me surveille toujours. Igwe? C'est lui qui fait que tu ne puisses pas venir me voir? Oh, désolé, mais tu as perdu du poids. Regarde-moi, non? Hein? Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as aussi manqué. Tu m'as tellement manqué. Gloria, donc c'est tout ce que tu es en train de faire dans ce palais? 99 jours pour les voleurs, un jour pour les propriétaires. Et laisse-moi! Igwe doit apprendre ça. Je le dirai à Igwe. Igwe! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, monsieur. Tais-toi là-bas! Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et toi, est-ce que tu peux parler? Toi, parle! Je les ai vus. Je les ai vus en train de te toucher. Et s'embrasser, s'embrasser. Et s'embrasser. Voilà. Donc, vous voulez faire c'est ça? C'est pas vrai. Ce n'est pas ça. Vrai, debout. Aussi. Allez, debout. Hey. Debout. Et toi, debout. Allez, dépêchez-vous. Bougez. Amène-les. Allez, là-bas. Amène-les, bouge-les. Allez, on avance, on avance. Avance là-bas. Hey! À genoux, vite! Votre Majesté. Qu'est-ce qui se passe ici? Igwe, j'ai vu ces deux gars. J'ai vu cette stupide fille. Hey. Et ce stupide garçon. Hein? Se caressant, s'embrassant, câlinant l'un l'autre derrière la maison. Hey! Hey. Igwe, pardon. Pardon, Igwe. Tu veux manger la même nourriture que je mange? Bah non, non. Bah non, pas ça, Igwe. Tu veux mettre la cuillère dans le même plat où je mets la mienne? Non, monsieur. Et toi, Glory? Igwe n'a rien. Ferme-la! Tu as ouvert tes jambes à cet idiot. Igwe, on l'a jamais fait. Je vous le jure, Igwe. Hey! Igwe! Igwe. Pardon, Igwe. Pardon. Hey!
Papa! Papa! N'importe quoi! Papa, mais qu'as-tu fait? Enlevez ces débris! Papa! Papa! Disposez-les, disposez-les! Pour tout ce que je t'ai causé. S'il te plaît. Tu as raison. Tu m'as causé assez. Comment se fait-il que tu n'aies jamais su tout ceci avant qu'il ne se passe? Ah, Joseph, je ne suis pas capable de tout voir. Je ne suis pas Dieu. Je ne veux plus de ton combat avec mon oncle. Je ne veux plus, il risque de tout prendre. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, s'il te plaît. Ceci ne te concerne plus. Ce n'est plus ton combat. Joseph. Igwe Mpume a tué ma mère. Il a tué ma sœur. Ceci est ma guerre. Non, s'il te plaît. Je ne savais pas que mon oncle était très méchant. Je t'en prie, pardon. Je te supplie. Ne va pas loin avec cette guerre. S'il te plaît, laisse-le. Laisse-le comme ça. Je t'en prie. Ce combat est le mien. Joseph. Joseph. Joseph, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que je veux faire? Joseph! Ne fais pas ça. Kamso, tu n'as plus le droit de me dire quoi faire ou quoi ne pas faire. S'il te plaît, je t'en prie, rentre chez toi. Thank you.
calme-toi, ça va, ça va. Je ne suis pas ici pour te faire du mal, ok? Je ne suis pas ici pour toi. Je suis ici pour ce péché d'homme qui se dit être roi. Tu vois, c'est une maîtrise. D'accord? Je veux que tu me montres là où il se trouve. D'accord? Allons-y. Amène-moi là, vite, d'accord? Jeune homme, qui es-tu qui t'a demandé de venir ici? Mboube, tu es un homme méchant. Tu es un homme méchant. Maître, tu as tué ma mère et ma soeur. Après avoir tué ton frère et sa fille, à quel point tu es désagréable en tant qu'homme? Maintenant, tu te pointes devant moi et parles avec autorité. Honte à toi. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de tes gardes. Tu sais quoi? Justice, c'est ce qui se pointe devant toi en ce moment. Je suis la justice et je suis ici. Tu m'as entendu? Tu me tuais? Tue-moi! Tue-moi! Comment tu as tué les autres? Toi, c'est un méchant. Tu n'es qu'un meurtrier. Emmenez-le. Je penserai à ce qu'il faut le faire après. Idiot. Attends, qu'est-ce que... Imbécile. Tais-toi. Amène-le. Amène-le. Je ne comprends pas. Papa, bon après-midi. Ne m'appelle pas, papa. Ne m'appelle pas ainsi. Comment peux-tu être à la maison? Ton frère est sorti ce matin et tu ne sais pas où il est parti. Sais-tu quand j'ai quitté cette maison? Depuis 6 heures, pour voir Mathieu. Papa, je ne sais pas où il est parti. Je ne sais pas. Où étais-tu quand il est sorti? Je suis dans la maison. Viens, maison. Tu étais à la maison et tu ne sais pas où il est parti. Hein? Papa, pourquoi tu es comme ça? Tu le connais très bien que grand frère Joseph est très méchant. Il risque même de me taper. Regarde, écoute. Je viens de perdre ma fille. Je viens de perdre ma fille. Je suis Kéti, encore. S'il vous je plaît, suis Joseph encore est dans deuil. Le trouble. Je n'arrive pas. Il est dans les palais de Igloo Mumbai. Je dois reprendre la même chose que j'ai établie comme règle ici. Salut, est-ce que personne vous m'entendez? Je dois quitter cette Kéti, maison sans que je ne sache où il part. S'il vous plaît. Papa, Joseph tu est là-bas, il est dans le trouble. Il est compliqué. Faites quelque chose, papa. Tu le connais bien. Il va me dire qu'il est si grand pour prendre soin de lui-même. Tu ne sais pas ce qui se passe, hein? Tu ne sais pas ce qui se passe et pourquoi tu racontes des bêtises. Mon fils est sorti ce matin et je ne sais même pas où il est parti. Et toi là, à la maison, tu ne sais que manger. Tu ne réfléchis pas, hein? Rien ne t'intéresse. Juste manger et dormir. Et aller chercher ton petit ami ritualiste. Ah papa, je n'ai pas un homme comme ça. Ah papa, ferme-la. Écoute-moi. Reste là. Ne sors pas d'ici. Tu m'entends? M'as-tu entendu? Si tu veux, quand je reviendrai. Ne me dis pas que des gens sont venus, ils t'ont porté et ça et là, tu ne sais pas. Non, je reviens. Papa, que je viens avec toi. Je m'en vais. Ferme-la. Tu veux venir avec moi n'importe quoi. C'est quoi ça? C'était ma faute. Pourquoi tu aimes tout simplement mettre sur ma tête? S'il vous plaît, aidez-moi. Ta visite me fait énormément plaisir. T'es pas sérieuse. Je viendrai manger chez vous demain. Je suis sérieuse. Moi aussi. Okay, c'est bon. Moi aussi. Ça ira. Oui. Je vais faire comment? Moi aussi. Non, ma. Je t'avais interdit de venir au palais, mais tu ne voulais pas m'écouter. Tu vois ce que tu t'es causé toi-même maintenant? Maintenant, Igwe peut te tuer à n'importe quel moment. Qui peut nous aider maintenant? Qui peut m'écouter? Igwe. Jeune homme, qui t'a dit que j'ai tué mon frère et sa fille? Où est-ce que tu as eu les rumeurs? Tu sais, des hommes méchants comme toi pensent qu'ils peuvent perpétrer le mal, découvrir leur méchanceté. Tu sais, tu n'es pas aussi intelligent.
dans ce camp, tu es trop malhonnête. Tu es une bête sauvage. C'est ce que tu es. Si je te tue ici, les villageois auront une opportunité de t'enterrer ou de te donner un enterrement digne. J'ordonnerai à mes éléments de t'emmener dans la forêt où ils te tueront. Et les vautours mangeront ton cadavre. Ainsi, il n'y aura plus d'opportunité pour t'enterrer dignement. Garçon. Oui, votre majesté. Scorpion. Igwe, emmenez-le dans la forêt. Occupez-vous de lui. Faites de lui ce que vous connaissez bien. Il n'est pas bon de tuer cet animal ici. Les gens commenceront à parler. Toi, n'importe quoi. Animal. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire ce que ton méchant maître a dit? Hein? Est-ce que tu as le cœur? Est-ce que tu as le cœur? Tu n'es rien qu'un filou villageois. Je n'ai pas de choix que de t'emmener dans la brousse, à l'arrière-pays, pour que les vautours mangent ta chair. Bâtard. Allez, on avance. Imbécile. Arrête! C'est quoi ton problème? Laisse-le partir. Non! Es-tu en train de me désobéir? Je dis laisse-le partir! As-tu perdu la tête? Es-tu défoncé? N'étais-tu pas là quand Igo avait dit qu'on devait l'amener à la forêt diabolique et le tuer? Je dis laisse-le partir! Hey, monsieur, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Je suis le seul fils, s'il te plaît. Je suis le seul fils. Cours. Hein? Cours. Que je cours? Ok, ok, monsieur. Ok. Dis-moi un peu, pourquoi? Comment as-tu pu faire ça? Dis-moi un peu, t'es malade? Comment as-tu pu aller dans le palais de Igwe Mpume? Dis-moi ça. Un palais que toi et moi savons que c'est une vraie forteresse. Non mec, tu as sûrement dû fumer ces jours-là. Tu es vraiment chanceux que tu sois revenu ici vivant. La vengeance de la mort de ma mère et de ma sœur m'a conduit à y aller. Ah bah non. Igwe Mpume m'a poursuivi avec des armes, avec des machettes. Maintenant, je vais le poursuivre avec des armes et des machettes aussi. Et je dois venger la mort de ma mère et de ma sœur. Passe sur mon cadavre. Si je ne fais pas ça, tu dois l'accomplir. Donc, s'il te plaît, Obina, je me rappelle de l'histoire que tu m'as racontée. Je me rappelle de toute l'histoire que tu m'as racontée. Comment tu as été dans la rue? Ce que tu as fait, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ces armes, ces machettes. S'il te plaît, aide-moi. Tu t'entends parler? Comment peux-tu me demander une telle chose, hein? Comment puis-je retourner dans mon passé? Obi, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi à avoir ces armes. Tu dois juste me donner un peu de temps, tu vois. Laisse-moi rétablir mes connexions, ok? Merci. S'il te plaît, tu dois m'amener au carrefour afin que je puisse prendre un taxi pour rentrer chez moi. Hey! Là maintenant, il demande à son propre ami de lui trouver des armes à lui fournir. Garde, tu dois, écoute, c'est la seule option. C'est une revanche, tu vois. Je dois aller jusqu'au bout. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Papa, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va aller, calme-toi. Hein? Bien comment depuis hier? Où ne suis-je pas parti pour le chercher?
Papa. Hey. Il est un grand monsieur, il peut bien prendre soin de lui-même. Hey. Mon fils unique. Mon fils unique. Papa, il n'y a rien avec lui. Papa, tout ce dont pouvait avoir peur, c'est avec ta petite amie là, de fantômes. Fantômes? S'il te plaît, je n'ai pas d'affaire avec des fantômes. S'il te plaît, ne me parle pas des fantômes ici. Je t'en prie. Où a-t-il pu aller comme ça, hein, mon unique fils? Hein? T'inquiète, il va bien. T'inquiète, papa. Papa, mon fils. Bien, mon fils. Ah, tu viens de... Mon frère Joseph. Où étais-tu? Mais où étais-tu passé? Hein? Ah. Grand frère José. Je t'ai cherché partout. Depuis hier. Papa. C'est quoi le problème? Moi je suis rentré. C'est quoi le problème? Tu vas bien? Mon corps me fait mal. Tu étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai cherché presque partout depuis hier. J'ai failli faire une chute de tension à cause de toi. Papa. Mon fils. Papa, tu confonds Nanya. Aïe papa. Agobande Aotineke, tu Kubanya. Buruzo Kobi. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïe. Papa, je suis allé au palais de Igwe Nkume pour le confronter pour l'atrocité qu'il nous a fait subir. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai escaladé le mur pour entrer dans la cour. Et de là, je me dirigeais vers son trône. Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé. Igwe Nkume m'a attrapé. Hey! Il m'a attaché à un arbre. Après tout, il a demandé à ses gardes, ses éléments, de m'emmener à la forêt. Hey! Et me tuer là-bas. Oh mon Seigneur! Papa, maintenant ce qui m'a étonné. En route pour la forêt. Je ne savais pas ce qui s'était passé. L'un d'entre eux s'est arrêté. C'était comme il a été envoûté. Il s'est arrêté. Il a regardé l'autre, son collègue. Il a dit, laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. J'ai été choqué. Et son second disait, non, 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 non. Notre roi Nkume, notre roi dit qu'on doit l'amener à la forêt et le tuer là-bas. Papa. Il dit, laisse-le partir. Je dis, laisse-le partir. Je regardais. Avant que je le sache, ouah! C'était quoi? Pistolet. Il a tiré sur son collègue. Il a tiré sur son collègue. Je ne pourrais pas y croire. Et il a pointé son arme sur moi. J'étais, hey, s'il te plaît, ne me tue pas. Je suis le seul fils. Ne me tue pas, ne me tue pas. Et il crie, et il dit, va, cours, cours, cours. Papa, ni l'imbombo. Je me suis levé. J'ai couru. Seigneur. Je ne savais pas, c'était comme, je ne sais pas comment le décrire. C'était comme un miracle. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hey! Seigneur, merci. Jésus, merci. Merci. Je te remercie pour avoir sauvé vie, mon merci. Fils. Je te remercie, mon Dieu. Oh, tu n'es qu'un. Hein? Seigneur, merci. Je vous dis. Je n'ai pas mangé depuis hier. Dieu est grand. Même de l'eau, je n'ai pas pris ça depuis le matin. Dieu est grand. Hey! En tout cas, Dieu merci. Hey, merci. Si vous voyez comment ils m'ont giflé au niveau du cou. Hein? Mon fils. Mon fils. Mais qu'est-ce que tu étais allé faire là-bas? Ne sais-tu pas combien cet homme est dangereux? Hein? Il dirait même qu'il n'est pas roi. Mon Dieu m'a vraiment sauvé. Pourquoi es-tu parti là-bas? C'est Dieu qui m'a sauvé. Papa? Quelque chose te dérange? Est-ce que tu vas bien? Ouais, ma princesse. Je vais bien. Je suis parfaitement OK. Non, papa. Arrête de me dire que tu vas bien, s'il te plaît. C'est comme s'il y a quelque chose qui te dérange et cela fait presque une semaine. Papa, c'est quoi le problème? Viens. Tu es ma princesse. Je suis OK. Ton père va bien. Ne t'inquiète pas parce que je suis parfaitement OK. D'accord, si tu me dis. Tu es la princesse de ce royaume. Oh.
la fierté de ton père, le roi. Ezenkpome. Tu peux le dire encore, papa. Tu es l'œil de chaque jeune homme dans cette communauté. Sois libre et rends-moi fier. Enenevejegogu. Uruguayu Mokorobia. Ok, papa, c'est bon. Je suis fier de toi. Mon fils, Igwe Dume a fait le pire. Il a tué ma femme, ta mère. Je n'ai plus peur de lui. Non. Maintenant, je comprends que ton combat est un combat qui en vaut la peine. Un combat noble. Je suis assis là à côté de toi, comme ton père, pour te dire que je suis vraiment derrière toi. Oh oui, quoi que tu veuilles faire, et n'importe quelle mesure tu prendras, en fait, quoi qu'il en soit, je suis avec toi. Enugo. Merci, papa. Oui. Ndigbusna. Oku kenegere watanaka. Ada hobia. Okome. Ndigbo wa c'est quoi? Nawanta. Neaduri lolori. Nejuku. Abawozo. Chai. Omoge. Ipo tugele mumbo keto popo. Apuzi ago wanademo. J'aime dire, tel que je venais de le dire, quel que soit le niveau où ce combat va nous emmener, je te soutiendrai. Mais toi, j'espère que ça va. Mon ami, oui. Le monde ne cessera de nous étonner. Qu'est-ce que je crois qu'on est seul ici. Hein? J'ai appris que c'est Igwe qui a tué Kamso et son père. Arrête ça. Je ne comprends pas. Écoute, ne m'implique pas dans cette affaire. D'ailleurs, je n'ai rien entendu. On ne s'est pas vu aujourd'hui. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu as à dire? Je ne veux pas de problème. Je gaspille mon temps inutilement. Edou, comment vas-tu? Je n'ai jamais eu ça jusque là-haut. Envoie-moi cet argent, j'en ai besoin là. Merci d'avance, mon cher, merci. Oui, c'est toi le meilleur. L'argent, c'est bon, hein? Oh, bah, Ino, mène-nous, mon gars. Je suis désolé de te faire entendre, mon gars. Je suis là pour toi. Toi, tu es mon gars, non? Ça va. Bien. Comment allons-nous procéder? Très simple. On doit déclarer la guerre à cet homme. Écoute, mon gars, on va le combattre jusqu'à ce qu'il confesse les crimes qu'il a commis. Tu comprends? Igwe Mpume. Faire la guerre à Igwe Mpume. Mec, c'est ça mon problème avec toi. Vous devez cesser d'appeler cet homme Igwe. Qui est Igwe? Cet homme est un Igwe. Hein? Igwe, pour quelle raison? Qui est Igwe? Cet homme est un méchant. Il est Monsieur Mboumé. Tu comprends? Tu m'écoutes? Mon c'est gars, un homme mauvais. Comment peux-tu appeler un homme mauvais Igwe? Mais parle normalement, non, mon gars. Qu'est-ce qui ne va pas parler normalement? Je t'écoute, vas-y. Écoute, franchement, je ne suis pas du tout content. Écoute, laisse-moi dire un truc. Les villageois seront contre nous, mec. Hein? Et que vous mettez un influenceur. Qu'est-ce qu'il te raconte? Gars, écoute. Nous devons trouver un moyen pour le contourner. Ça, c'est vrai. Ok? Ça, c'est vrai. Au moment où nous allons exposer cet homme, le faire confesser, les gens comprendront. De quoi parles-tu même? On a juste besoin de l'exposer. Amani Haobu, Yota. Donc, oublie son côté d'influence. On va l'enterrer dans cette optique. Oui, Joe, tu as raison. Tu as vraiment raison, c'est vrai. La dernière fois, tu m'as dit que ton père était contre l'idée que tu ailles là-bas chez Igwe Mpume. Désolé, mec. C'est encore nouveau pour moi. Mpume. Alors, c'est comment? Oh, bah, non. Il a changé son fusil d'épaule. Mon père est solidement derrière moi.
Tout ce qui reste maintenant nous concerne. T'es sérieux? C'est de se battre, parce qu'on a déjà son soutien. On est qui? Dis-moi un peu, non? Ok. Je pars d'Igwem pour mes mecs, nous devons aller là-bas pour lui botter les fesses. La paix doit finir par régner dans quoi? Ça c'est mon gars. Oh bah non. Ouais, mon frère, on y va. Allons-y. Ouais, on y va. Nous sommes au bon endroit. Oui, bien sûr. C'est bien ici. Pourquoi vous venez me déranger dans mon bureau? Tu as entendu ça? Partez de mon sanctuaire. Madame la sorcière, Némiri, nous sommes ici pour que tu... L'aventure dans laquelle vous voulez vous jeter est impossible. Disparaissez maintenant. Comment ça? Némiri, pardon. Nous le savons et c'est ce pourquoi nous sommes ici, pour que tu puisses nous aider avec ta magie, s'il te plaît. S'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît. Je crois m'avoir fait comprendre. Cette guerre est plus grande que vous. Kamso est là. Ça, c'est quel esprit? Qu'est-ce qui t'amène dans mon sanctuaire? Némiri, ils sont là pour combattre pour moi. Mon oncle avait tué mon père et moi aussi. S'il te plaît, aide-moi à les préparer pour mon combat. Tu sais, je ne saurais rejeter ta demande. Merci, Némiri. Ojo! Avance. Pardon, Némiri. Quoi? Avance. Vas-y. Prends ceci. Rassure-toi de toujours le mettre dans ta poche avant de t'engager au combat. Merci, Némiri. Moi, j'ai eu ma part, hein, mec. C'est ton tour, je crois. Donc, tu as entendu ce qu'elle a sois dit. Sois fort, hein. Faut pas oublier ça. Surtout. Moi, c'est fini. Toi. Oui, maman. Avance. Vas-y doucement, hein, frère. Elle pourrait te manger. Prends ceci. Rassure-toi de le mettre avant d'aller dans un combat. D'accord, maman. L'homme à qui tu veux faire face est un homme très dangereux. Elle utilise sa femme dans ses rituels. C'est un homme dangereux. Si tu veux remporter la bataille contre lui, rassure-toi de toujours mettre ceci sur ta tête. D'accord, maman. Merci, maman. Amala, il est là. Striker. Igwe et Scorpion.
Écoutez, cette maison a été vendue à cet entrepreneur. C'est pourquoi il est là. Je veux que vous surveilliez cette maison. Je viens de recevoir une information que le Igwe et ses hommes sont actuellement dans la maison familiale de Kamso. Es-tu sûr de ce que tu dis? Tu me connais bien, non? Tu m'as déjà vu apporter des mauvais messages. D'accord. Est-ce que nos effets sont dans la voiture? Tout est bien dedans, y compris moi, Igbodo. Tout est dedans, mec. Allons-y. Allez vite, dépêchons-nous, mec. Personne ne vient ici pour vous raconter des histoires. Si quelqu'un vient ici pour vous raconter une histoire concernant cette maison, faites tomber cette personne avec vos balles. Plus précisément, l'idiot là appelé Joseph. Ils se sont enfuis, mec. Tu as fui, hein? Tous les jours ne sont pas dimanche. On t'aura un autre jour. Anunata! Et tu es bonta. Si, mec, je te jure, même si aujourd'hui c'était Noël, j'en ferai un pire Noël. Crois-moi, je t'ai dit. Je vais t'enculer et te descendre. On vous fera, les gars. Ça devient dangereux de jour en jour. S'il te plaît, je suggère que toi et Nkechi, vous restez loin de cette communauté, au moins pour le moment, jusqu'à ce que la situation se normalise. Hmm? Je dois donc ma maison et ma communauté et m'enfuir juste comme ça? Pour quel motif? Papa. À cause de ces criminels? Hey! Mban! Mba! Ça ne tiendra pas. Comment puis-je abandonner tout mon héritage? Regardez! Mba! Papa, écoute-moi, écoute. Nous avons déjà perdu beaucoup de membres de famille. Nous ne pouvons plus accepter de perdre plus. S'il te plaît, évidemment, comme la guerre se poursuit, si vous êtes ici, ce n'est pas du tout sécurisant. Vous devez juste quitter et permettez-moi de gérer les choses. Quand la situation va se normaliser, vous reviendrez. C'est ça, s'il te plaît. Bigon, na. Papa, le grand frère a raison. Nous devons nous déplacer d'ici. Cet endroit est devenu dangereux, s'il te plaît. Hey! Igwe Tunde est vraiment méchant. Ma propre maison. Je dois l'abandonner pour me protéger. On verra ce qui va se passer. Papa, ne prends pas ça comme ça. Oh. Écoute, mon fils, je suis ça va. Très triste. Je tu suis sais, très triste. Quitter ici, pour le moment, ne te fera pas du mal. Ne vois-tu pas que la guerre continue? Ne vois-tu pas qu'ils ont écrit sur les murs? Nous avons assez perdu. S'il te plaît,
Nous sommes en guerre. Laisse-moi m'occuper des choses. Tu reviendras. Papa, s'il te plaît. Hein? Ça va aller. Oh, j'ai perdu ma précieuse femme. Papa, pourquoi Nganga? Nganga. Et ma fille. Kokei Diagbalé Fioso. Abaka ma fille. Aïe. Nandeba. Papa, ça va, ça va. Encore Nganga. Ka Kokei Diagbalé Fioso. Hein? Je l'ai déjà dit. Ah mon Dieu. Ça va. Dieu vaincra cette bataille pour nous. On verra. Amen. Dieu combattra à notre place. Amen. Nkechi. Grand frère. S'il te plaît, tu dois aller à l'intérieur et emballe tout ce que tu peux. Toi aussi, mon fils. Sois très prudent. Papa, t'inquiète pas. S'il te plaît, sois très prudent. Je vais prendre soin de tout. Grand Esikaba. J'ai pas pu croire ce que j'ai vu. Mes ennemis sont bien fortifiés. Ouais, ils s'étaient préparés pour la guerre. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Je sais qui a préparé ces fétiches pour eux. Je ferai quelque chose. Grand Isikaba, comment serait-il possible pour quelqu'un de me défier? Écoute. J'ai sacrifié ma femme pour acquérir ce pouvoir. Comme je venais de dire, je vais trouver la source et la détruire. Laissez ça entre mes mains. Oh Gougou! Agarapuni si gualo te lajo. Aka guajigo pigwe. Oja tous. Amara macho euro kwa nkata ke mmiri. Votre Majesté, vous allez emmener ceci à la maison. Une fois à la maison, vous allez garder un pour vous et l'autre pour vos hommes. Ils vont les toucher l'un après l'autre. Avec ça, aucun pouvoir, aucun fétiche ne peut vous pénétrer. Aucun. Peu importe la source. Isikaba. Oh, karamoro, karamo. Oh, karamo. Dalo. Igirigio. Hey! Joseph et ses éléments veulent de la guerre. Je veux que vous lui donniez le genre de guerre qu'il n'a jamais anticipé. Allez dans sa maison et tuez tout ce qui est là-bas, y compris les moustiques. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Vous pouvez considérer que c'est fait. Cette instruction doit être exécutée à la lettre Z. Est-ce que c'est clair? Oui, Igwe. Considérez que c'est fait. Gare, allons-y. Papa, je dois retourner où j'étais parce que j'en ai vraiment marre du village. Bien. Obinamo Ebwanegonu. Cette fois-ci, tu es quand même resté. C'est pas comme la dernière fois où tu étais venu. Tu n'avais même pas fait 2 jours. Tu nous avais fouillés. Tu étais rentré là-bas où tu as l'habitude d'être. Au village de Bodobu. Mais ça va. Je te souhaite tous les bonheurs. Le Seigneur sera avec toi. Juste comporte-toi bien. Rappelle-toi à tout moment si tu es fils de qui. Apakai, c'est quoi? Pour nous arriver à Gisino.
Bon, Obinna, que fait mon Igwe? Et voilà mon fils. Maman. S'il te plaît, je crois que ça va aller. Oui, maman. Ne suis pas ces garçons, ils vont te mettre dans le trouble. Si tu vas là-bas, rassure-toi de faire la fierté de ta famille. Sois sage, mon fils, Papa, j'aimerais bien voir Joseph, mon ami. Oh, Joseph, ton ami là, c'est lui qui était petit comme ça. Joseph est un bon gars, ce n'est plus un petit garçon. Je reviendrai, papa, maman. Je vous laisse. Bon, au revoir. Allez, mon fils. Ma chère, je dois aller me préparer pour la réunion. Est-ce que ça s'est passé? Igwe, nous étions allés, mais nous n'avons vu personne. L'endroit était déserté. Pas de problème. Il pense qu'il peut se cacher pour toujours? Jamais. Nous allons la voir. Igwe, je pense que je connais son partenaire. Est-ce qu'il a un partenaire? Oui, Igwe. Le jour où nous avons eu une confrontation avec eux, j'avais reconnu son visage. Il est de ce village. Son nom est Obinna. Connais-tu aussi ses parents? Oui, Igwe. Allez les amener ici. Nous allons faire ça tout de suite, Igwe. Allons, allons-y. Vite, allons-y. Je compte d'abord passer chez Mazie au Carrefour. Après là-bas, j'irai à la réunion. Ok, je serai bientôt. Ah, hey, allez, on avance. Vite. Pas de mouvement brusque surtout. Allez, on avance. Vous êtes sourds? On a écouté. Je n'aime pas de temps à perdre. Où est votre fils, Obinna? Où est-il? Il faut parler. Igwe, nous ne savons pas où il se trouve. Ça fait beaucoup de jours qu'on ne l'a pas vu. Igwe, il ment. Ils savent là où il se trouve. Je ne suis pas ici pour plaisanter. Je vais vous demander pour la dernière fois. Où est votre fils? Igwe, est-ce que je peux mentir concernant mon fils? Je ne sais pas où il se trouve. Ça fait beaucoup de jours. Est-ce que tu peux l'affirmer? Comment oses-tu mentir devant Igwe Mpoumé? Tu es devant Igwe et tu oses mentir? Ça, c'est un complot entre toi et ta femme. Et vous n'allez pas vous échapper. Je vais vous punir pour ça. Igwe, s'il vous plaît, il est vrai. Ça fait longtemps que nos yeux l'ont vu. Scorpion, Igwe. Hein? Papa? Terminez-les. Bien fait. Bon travail. Scorpion, bon travail. C'est ce qu'il mérite.
fallait que ça m'arrive à moi, hein? Il fallait que ça m'arrive à moi. Oh ben non, oh ben non, oh ben non. Écoute-moi, je suis vraiment désolé. Je suis désolé que je t'ai emmené dans ceci. Je suis désolé pour tes pertes. Je suis celui qu'on doit blâmer. J'ai emmené une innocente personne dans quelque chose qui m'opprime à bord ne le regardera pas. Wanebiko, désolé. Tu as perdu ton père. Ça, c'est dur. Je suis désolé. Nous avons tous les deux payé de prix pour cette guerre. Nous deux avons payé de prix pour cette guerre, Joseph. Et c'est le moment d'en finir, une fois pour toutes. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour cette guerre, Joseph? Oh, bah non, écoute. Tu viens de perdre ton père, ok? Ce n'est pas le moment de... Es-tu sérieux? Joseph, tu es prêt ou pas? Gars, tu viens de perdre. Ok. Ok. Si tu es prêt, alors je suis prêt. Qu'on en finisse. Ça, c'est intéressant. Joseph. Je ne peux pas y croire. Ok. Arrête-toi là! Soi-disant princesse! Agenouille-toi! Vite! Où est ton père? Il n'est pas à la maison. T'as dit quoi? Parle vite avant que je ne puisse t'éclater la tête. Tu veux mourir, c'est ça, hein? Où est ton père? Il n'est pas à la maison, je vous le jure, il n'est pas là. Je vois. Lâche. C'est ce qu'il est. Tu l'as entendu? Elle disait que son père n'est pas là. Omo so wago. Non wago. Igo e boso. Nagbanongon. Idiot. Quand il sera de retour, dis-lui que les guerriers de la justice sont passés par ici. Et dis-lui de rester loin de tout ce qui appartient à la famille de Kamso. Tu as entendu ça? Répète ça. Et dire à mon père de rester loin de tout le bien de la famille de Kamso. Tu as bien entendu. Obaï. Mon gars. Kaiwa. J'arrive, mec. Fille d'un père stupide. Reste bien là, ne bouge pas. Ne bouge pas. Ose faire un mouvement. Votre Majesté. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa. Qui a fait ça? Qui m'a fait ça? Qui a fait ça? Papa. Hein? Des hommes armés étaient ici. Ils ont tiré sur Akidi. Ils m'ont demandé de dire de rester très loin du bien de la famille de Kamso. Oh, sinon, il y aura de conséquences. Ils ont dit qu'il s'appelait le guerrier de la justice. Va à l'intérieur. Scorpion, vous devez les trouver vivants ou morts. Disposez ce corps. Toi, prends soin de lui.
Ma fille est là. Maman, je suis là. Qui es-tu? Où est-ce que je suis? Tu as été amenée ici par deux jeunes hommes. Et ils m'ont dit que ta vie était en danger là où tu recevais le traitement. Hé! Ah bon? Qui sont derrière ma vie? Qui est-ce que j'ai offensé? Pourquoi ma vie est en danger? Oh mon Dieu, je ne comprends rien de tout ce qui se passe. Peu importe, ici c'est où? Tu es ici à Obidi. Obidi? C'est très loin de mon village. Très très loin. T'inquiète pas. Hey. Tu iras bien bientôt. Et hey. Tu pourras retourner dans ton village. Je ne sais pas où serait ma fille à l'instant. Qui sont derrière nous? Qui en veulent à nos vies? T'inquiète pas. Oui, je sais que ça ira. Je sais que ça va aller. Ça ira. Oui. J'ai demain innocente. Je suis innocente. Je ne sais pas qui enverrai-je pour donner un message à ma fille. Je veux la voir. Ah. Qui cherche à nous faire Maman, du mal? Je suis là. S'il te plaît, tu peux me donner de l'eau. J'ai très soif. D'accord, je t'apporte de l'eau. Allonge-toi alors en attendant. Oui, okay. Ça va. Allez. Tu peux me voir, maman? Maman, je suis là. Je n'ai offensé personne. Et pourquoi? Les gens en veulent à ma vie. Pourquoi ils cherchent à nous faire du mal? Oh Dieu, protège ma fille là où elle est, jusqu'à ce que je vais la retrouver. Maman, je suis là. Maman? Mes mains ne sont pas chargées. Peux-tu m'entendre? Je suis là. Etienne Doukoué. Ah, nous voici un frère du sang. Bonjour. Je me dirigeais vers ta maison. Tout va bien? Non, non, rien de grave du tout. C'est juste à propos de Igwe. Oui, à propos de Igwe et ce qui se passe actuellement dans notre famille élargie. Parle-moi de ça. Mazimaduka, je commence à croire que Igwe a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Maziokafo ainsi que sa famille. Comment peux-tu dire ça? Tu ne sais pas que ça, c'est une accusation très grave? Hein? Écoute, je sais que Igwe est un homme ambitieux, mais pas jusqu'à ce degré. Non, dis-moi, comment est-ce que le Igwe peut commencer à vendre les terres de Maziokafo alors qu'il n'y a même pas une seule preuve que sa femme est morte? Et en plus, par état d'urgence, je commence vraiment à penser que nous, les anciens, nous devons examiner ce problème proprement. Oui, Maduka. On n'a pas parlé de ce sujet. Hein? Et nous ne nous sommes pas rencontrés. Mazi, je me disais que tu pourrais peut-être faire quelque chose parce que tu... Non mais... Reviens, mon cher. Oja, Onuja na Ounonuja. Iaounego. Regarde-toi, à cause d'Igwe, ce petit Igwe. N'importe quoi. Tu dis ça parce que tu as peur, parce que tu as peur de mourir. Anofia. Osa Oji. Hi, Igwe. Igwe Nkume. Ouais. J'ai presque oublié. Et de quoi s'agit-il? Un message très important. Quand je venais chez toi, j'ai vu Ichi Okeke et Ndukwe. Quand je les ai vus arriver, je les ai esquivés en rentrant dans la brousse parce que je sais qu'ils sont méchants et je voulais entendre quelque chose d'eux. Je les ai entendus faire de commérages sur toi. Ils parlaient de toi en disant que tu es responsable de la mort de ton frère, Okafo, et de sa fille. Que tu es un homme méchant. Que tu veux même faire plus.
J'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi seul, hein. Je dois te le dire. Oui. Donc, Okeke et Ndoukoui font des commérages sur moi. Oui. Oh, donc ils ont oublié que je suis Ezenkoumé. Je vais le leur montrer. Je dois m'occuper d'eux. Alors, ils sauront qui je suis. Igwenkoumé. Ouais, je suis l'invincible. Il y a un adage qui dit, toute personne qui piétine la queue du tigre se retrouvera. Je veux dire, se retrouvera dans ses griffes. Ogiwao, anu porokino duanu. Oh, c'est bien, Naba. Bien, Naba. C'est comme ça. Ache pono muabu. O konsisi kore igbere miri. Non, kurum. O monu nezendo. On verra ce que ça va donner. Hey! Là-bas, jusqu'à ces bananiers m'appartient. Je veux que vous ameniez des ouvriers demain. Joseph, tu ne dis rien d'important. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, essaie de me comprendre, s'il te plaît. Comprendre quoi? Qu'est-ce que je dois comprendre exactement? Écoute, bébé. Cette affaire est compliquée. D'ailleurs, ce n'est pas le bon moment pour moi d'y en parler. Écoute, j'ai assez dans ma tête maintenant. Ok, s'il te plaît. Donc, ce n'est pas le temps propice pour en parler. Et quand est-ce que tu en parleras? J'ai l'impression de ne jamais t'avoir connu avant. Joseph, tu es devenu comme un fou. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas un fou. Kamso est un fantôme. Elle est un fantôme que moi seul peux voir. Kamso, ça veut dire quoi toutes ces bêtises? Comment t'attends-tu à ce que je croie ces sottises que tu viens de dire? Joseph, qu'est-ce qui ne va plus avec toi? Ok, tu sais, je garde cette vérité loin de toi parce que je sais que tu ne peux pas la supporter. Et maintenant, te voilà. Tu commences par agir. Écoute, il n'y a rien à gérer ici. Il n'y a absolument rien à gérer ici. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Igwe dans les champs de mon père pour le vendre. Es-tu sûr de ce que tu dis? Joseph. Ok, je vais aller me préparer et j'y vais immédiatement. Joseph, est-ce que tu vas bien? Tu m'effrayes. Mais écoute, je veux que tu t'en ailles, ok? Je te verrai après, je vais aller me préparer sortie. Je veux assister à quelque chose de très important maintenant. Joseph, juste vas-y. Comment ça me fait va. Juste vas-y, je te parle après. On parle après. Je dois assister à quelque chose de très important maintenant. Qu'il le veuille ou pas, Mafachoro, j'ai déjà pris possession de ce terrain. Très tôt demain matin, je veux que vous ameniez des ouvriers afin qu'ils saquent le terrain parce que le projet va bientôt commencer. Chercher. Votre Majesté, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe dans ce royaume? Coup de feu, un peu partout. Ici et là, coup de feu un peu partout. Qu'est-ce que c'est? Il y a du trouble. Il y a un grand trouble. Es-tu sérieux? Juste va dans ta maison. Je te parlerai après. Ouais, rentre chez toi. Hey! Retourne. Tu m'as entendu. Allez, va de ce côté. Allez, agenouille-toi. Je vais le faire. Je suis déjà à terre. Tais-toi. Eh bon, Wangé, c'est ton tour. Tu as comploté avec le roi pour tuer mes proches. Toi, mes maisons propres. C'est ce que tu dis? Regardez-moi ça. Maintenant, tu t'enfuis comme un rat. Hein? Je te parle. Makadi Diotian. Tu dis quoi? Makadi Diotian. Tes maisons propres. Oh, je vois. Laisse-moi voir les mecs qui sont propres. Laisse-moi voir. Ah oui. Laisse-moi voir. Oui. Laisse-moi voir. Tes maisons propres. Me faire. Je suis à faire tout partout maintenant, mon cher. Ça ne sert à rien de tirer tes balles, ok? Ah! L'invincibilité, je le sens. Je vais t'éliminer, mec. Ah! Tu es mort, mec. Je te l'avais dit, imbécile. Allez, donne-moi vite ton arme. Allez, donne-moi vite ton arme, imbécile. Tu te prenais pour qui? Qui t'a envoyé? Idiote. Hey. Mon roi, où étais-tu? Où étais-tu? Tout assis. Ah oui. Donc c'est ça quoi? Je suis Odogu Kalero Odogu. Encore Kaywa. Aujourd'hui marque ta fête. Thank you.
Tu penses que tu es blindé, c'est ça? Bâtard. C'est qui ça? Qui que je sois n'est pas du tout ce qui t'intéresse, mon pote. Prépare-toi juste à mourir, sale idiot. Comment tu appelles mon nom? Depuis le moment où je l'ai fait. Je suis Zengoumé. On verra. Ce n'est qu'un simple bois de chauffage. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien me faire. Tu n'es qu'un petit garçon. Je suis Zengoumé. Personne ne me défie et reste impuni. Personne ne me défie et reste impuni. Je suis Zengoumé. Mboumé, toi Joseph, tu veux me défier, tu veux tuer le roi. Ezinkoumé, anomni teremiri, no kurumkumrenene zendo. Écoute-moi, écoute-moi. Je suis à l'écoute. Toi ce méchant, tu sais ce qui se tient devant toi, ça s'appelle justice. Ouais, tu t'enfuyais, mais aujourd'hui, pas de temps pour s'échapper. Tu n'es qu'un petit rat. Tu ne peux rien faire. Je vois. Tu veux m'essayer? Joseph, tu n'es qu'un simple bois de chauffage. Ma mifane m'ont demandé. Kangwa Kachemien. Kangwa Zim Kerera Kachemien. Aza. Hey! Hey! Moi et Zengoumé, mes pouvoirs sont infatigables. Vas-y, tire, tire. Je ne peux pas tomber. Je suis Zengoumé. Ouais, ouais. Tu ne peux pas faire plus qu'un petit rat. Ah! 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 Ah
Tu attireras Joseph. Tu veux essayer le plus grand pouvoir. Le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Ouais, j'ai des pouvoirs. Je vais te tuer. Je vais en finir avec toi. Tes jours sont finis. Oza! Te voilà. Tu as tué ma mère et ma sœur. Laisse-moi. Tu as tué le père et la mère de Obina. Te voilà. Obina, aide-moi le supplier. Tu la fermes. Ferme. Tu la fermes. Tais-toi. Te voilà. Tu es en train de supplier pour ta vie. Quand tu commettais des atrocités contre ton peuple. Hein? Comment tu te sentais? Aujourd'hui, la justice t'a rendu visite. Ouais. Je vais t'emmener chez les gens. Ces mêmes gens. S'il te plaît. Ces mêmes gens. S'il te plaît, ne me tue pas. À l'égard de qui tu commettais des atrocités. Ces mêmes gens que tu tuais. Je vais t'emmener chez eux. Et tu vas confesser tous tes péchés. Je vais confesser. Oui, je vais confesser. Tu la fermes. Tu la fermes. Un bouc ne peut jamais être ami. Parfois, le papillon se prend pour un oiseau, mais le papillon restera papillon et l'oiseau, l'oiseau. S'il te plaît, ne me tue pas. Je vais confesser. Je vais confesser. Amène-le ici. Je vais confesser. Allez. Je vais... Mais... Lève. Ne me tue pas. Lève. Lève-toi. Lève-toi. S'il vous plaît, ne me tue pas. Toi, cet homme diabolique. S'il vous plaît. Pense que tu peux te battre avec les grands ici, Kaba. Fais-toi voir. Fais-toi voir. Fais-toi voir. Fais-toi voir. Donc c'est toi, Nemri. C'est toi. Pourquoi as-tu choisi de te mettre sur mon chemin? Les dieux se sont fâchés. De tes œuvres maléfiques. Je suis les dieux. Je suis le suprême ici, Kaba. Je suis le leader suprême de la chambre mortelle du grand Ngungukla. Je suis l'incontournable. Maintenant, quitte mon espace. Sinon, tu serviras ce soir des dîners auprès des vautours. Tu es le genre de mouche qui accompagne le corps jusqu'à la tombe. Ici, Kaba. Je suis venu mettre fin à ton règne. Hein? C'est qui ça devant moi? Est-elle un arbre ou un humain? Non, elle n'est pas un arbre, c'est un humain. Maintenant, je te frappe. Reçois ceci. Tu penses que tu as le pouvoir de défier ici, Kaba? Tu penses que tu as le pouvoir de défier le grand ici, Kaba? Ah!
S'il vous plaît, ne me tuez pas. Tu dis quoi? Vas-y. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Tais-toi. Ne me tuez pas. Ah, Dieu, qu'est-ce que se passe? Tu es quoi? Igwe Koumé, qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît. Les yeux. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Maruka, il tient Maruka. S'il te plaît, pour moi. Ils veulent me tuer. Ne me tue pas. S'il vous plaît, je vais confesser. C'est moi qui ai tué Kamso. Hein? Agnès, ouais. Hein? S'il vous plaît. J'ai tué Okeke. Hein? J'ai tué Okafo, mon petit frère. Ouais, j'ai tué beaucoup de gens. J'ai tué Buka. J'ai tué Chioma. Même. Ma domestique, c'est moi qui l'ai tué. Hey. J'étais allé à Oba, j'ai envoyé mes éléments à Oba. Ils étaient allés et ont tué beaucoup de gens. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Oh, mes pouvoirs m'ont lâché. Je ne savais pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît, je vais me repentir et je vais changer. Et désormais, je vais changer. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Igwe Mpoumé! Comme je te l'ai dit, le jour de ton jugement est arrivé. Les dieux ont vengé leur peuple pour toutes les atrocités que tu as commises. Ta fin est arrivée. Ainsi la fin de toute personne qui a commis des atrocités. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est ton tour. Obi. Oui, champion. Allons-y. Hey! Assommé, Pompo. Hey! Ogini, il faut qu'il dise. Igwe, donc c'est toi qui es derrière tout ceci. Mon peuple, venez voir notre Igwe. Hey! Joseph, s'il te plaît, pardon. Je suis désolée. Je sais que je dors. Je t'ai mécomprené. Je n'ai pas su ce qui t'est passé en tête. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Même si tu ne veux plus de la relation, il n'y a pas de problème. Je veux juste que tu me pardonnes, s'il te plaît. Non, ça va. Je t'en prie. Pardon. Pas de problème, ça va. D'accord? Pas de problème. Je comprends que... quelque chose s'est passé, mais écoute. Je suis prêt à te reprendre. Je te pardonne, d'accord? S'il te plaît, je retire mes paroles. Ça va. Écoute, ça va. Ça va, ok? Essuie tes larmes. Les choses ont mal tourné, je sais. D'accord? Allez, viens. Désolée. Ça va. D'accord? Allez, cesse de pleurer. Ça va. Je suis ravi maintenant que tu es de retour pour moi. D'accord? Peux-tu m'accorder un sourire? Ok, allez, allons chez toi, d'accord? Allons-y. Tu dis que c'est Kamso qui t'a envoyé vers moi? Et pourquoi n'est-elle pas venue avec toi? Elle devait venir avec toi, non? J'ai très envie de la voir. N'est-elle pas en manque de moi? Je ne comprends pas. Maman. Kamso est morte. Son fantôme m'est apparu.
Kamso, ma fille. Kamso, mon mari. Mon mari, ose-moi. Kamso. Hey, elle est ici, maman. Kamso est ici. Hein? S'il te plaît, demande-la. Est-ce qu'elle peut me parler? Est-ce que je peux... Est-ce que je peux la voir? Est-ce que tu peux faire en sorte que je la vois? Hein, si tu peux, s'il te plaît, laisse-moi voir ma fille encore une fois. Essaye de comprendre ma peine, j'ai envie de parler avec ma fille. Est-ce que je peux entrer chez toi pour parler à ma mère, s'il te plaît? Je veux la voir. Hey. Je veux voir ma fille. Maman, elle demande si elle pouvait posséder mon corps. Afin que tu puisses l'entendre et pour qu'elle puisse te parler. Tu viens prendre possession de mon corps. Ah, ah. Oui. Accepte. Mais comment est-ce possible? Je ne comprends pas. Mais peu importe. Fais tout ce que tu peux. Permets à ce que j'écoute ta voix, s'il te plaît. Comme ça. Ok, tu peux venir. Comment vas-tu, maman? Oui, je peux attendre sa voix. C'est elle. Kamso, tu peux m'attendre. Je ne vais pas bien. Je ne peux pas être bien sans toi. Ne pleure pas, maman. Un jour, tu viendras aussi de l'autre côté du monde que tu n'es pas encore arrivé. Non, Kamso. Je vais aller avec toi maintenant même. Non. Kamso, prends-moi. Prends-moi avec toi. Non, je ne suis pas d'accord. Laisse-moi aller là où tu es, de l'autre côté. Oui. Non, maman. Lorsque le temps viendra, tu seras avec moi ensemble. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma fille. Je t'aime, mais s'il te plaît, reviens à moi. Reviens. Viens à moi. Dis à Kamso de me revenir, s'il vous plaît. Je dois partir, maman. Joseph, ma mère est ta seconde maman maintenant. S'il te plaît, prends soin d'elle pour moi. Il est temps pour moi de partir. Tu ne peux pas partir, ok? Reste avec nous pour un petit moment. Non, s'il te plaît, je dois partir. Kamso, oui, s'il te plaît. Kamso, s'il te plaît, ne t'en va pas. Kamso, t'en va pas. Kamso. Qu'elle revienne à moi. Kamso. Est-elle partie? Ah. Est-elle partie? Kamso, m'attends-tu? Kamso, reviens à moi. Reviens, ne pars pas. Reviens. Ma fille. Reviens. Kamso. Pourquoi tu l'as laissé partir? Pourquoi tu l'as permis de partir et me laisser? Ah, Kamso. Elle devait rester ici avec moi. Madame, c'est bon. Arrêtez de appelez Kamso pour moi, c'est Joseph. Bon. C'est bon. Maman, ça va. Nous sommes ici. Je suis ici pour toi. Ok? Ça va. Laisse-moi. Je suis ici pour toi. Je suis là. Arrête de pleurer maintenant. Hein. C'est fini. Ça va. C'est fini. Ok? Ça va aller, maman. Tout ça est fini. Je vous bénisse pour votre aide à ma fille.